La game fut compliquée. On a perdu. On a perdu. On était tellement devant. Jarvan qui partit full AD. Le truc useless quoi. Le truc useless, on avait Twitch, on avait moi pour faire les dégâts. Il est parti full AD. Et du coup, ça a quand même lose. Ah là 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 là. On avait plus de gold que. Jarvan a arrêté de jouer à la fin. Il a laissé les creeps finir le Nexus. Alors j'étais en train de me débattre pour essayer de les tuer. Regardez son stuff. Faire un coup près noir, ok, mais tout le reste, enfin à part à côté pineuse, ça sert à rien quoi. Les deux items là, la Yomu, et ils auraient dû tellement partir tanky. Comme le Gnar. Comme les Gnar. Dommage. Dommage. Et au final, il est parti aller, regardez les dégâts qu'il a fait. Alors on peut pas voir. Si, graf. Les dégâts qu'il a fait, voilà. C'est nice hein. Alors que le Gnar, voilà. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça, des fois on gagne, des fois on perd, on peut toujours gagner la prochaine, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Bref, du coup, bah on va essayer de gagner celle-là, hein. On va essayer de gagner celle-là, putain, c'est vraiment dommage, on était bien dans la game, Azir était très mal dans la game, au final il est remonté, bah de toute façon après on était tous full stuff. On a fait ce qu'on a pu, on a mis pas mal de beaux ultis, machin et tout, on s'est fait KS un Nashor à un moment là par le Ez. Moi j'ai KS le dragon ancestral, mais bon il était déjà trop tard je pense au moment où j'ai le dragon ancestral. Bah failli avoir le Nashor d'ailleurs. Bref. Ah, aujourd'hui le report, d'ailleurs je vais pas report mais un peu toxique. C'est vraiment dommage. Après il a bien joué au début hein, mais. On voit ceux qui tiennent pas au mental quoi. Là typiquement c'était pas lui, je crois. Non, c'était pas lui. Typiquement, tous ces joueurs au mental là, et il a flanché. Hein. On a bien vu, il a craqué complètement. voir son historique un peu. Après, il a bien joué, hein. On est en early game, il a bien joué. Mais il aurait dû avoir très mauvais stuff au final. C'est un gold, hein. Il joue que Jarvan, et regardez. Il joue que Jarvan, et il fait toujours le même stuff. Alors après, il est en gold. Donc. Il est gold quelque chose, je crois. Gold 2. Je sais pas pourquoi je joue avec lui, mais bon, c'est pas grave. Il est gold 2, donc du coup, ça se comprend. Tu vas lui partir dégâts. Mais au bout d'un moment, ça marche plus, quoi. Ça marche plus. Il va pas monter s'il joue Jarvan comme ça. Hein. Ça sert tellement à rien, quoi. Il fait une IE et tout, hein. Ah, c'est dommage, hein. Après, il a des kills et tout, hein, mais c'est pas les kills qui font la game. Regardez, on a 57-45, on a perdu. Hein. C'est vraiment dommage. C'est pas grave, à un moment on a Fro sur Fro. Ah merde, putain, j'ai pas lancé, quel con. Fro sur Fro sur Fro. Et du coup, c'était compliqué. Bon, on est parti, c'est pas grave. Dernière game du BO. On va essayer de la gagner pour repasser le 24. On va espérer que ça se passe bien. On va essayer de jouer la mid lane. Donc, on est à 1-1. On est à 1-1 tout simplement sur le BO. Donc on y va. On y va normalement. Bon, on devrait essayer de la gagner. Puis on gagne pas, c'est pas grave. Hein. On peut toujours gagner la suivante. Après là, c'est le BO, donc c'est sûr que c'est un peu plus embêtant. Si on perd, mais on reviendra dans un BO, hein, y a aucun souci. Aucun souci, si vous avez réussi à atteindre votre BO une fois, vous pourrez le atteindre une deuxième fois. Il y a du monde sur le chat là. Enfin, sur le live. Exilem85 et. Wesh wesh camembert. Salut! Bah, écoute, ça va. Bonsoir, salut à vous deux, salut les gars. Bienvenue, bienvenue. Donc on est reparti pour une petite game. Hein. Là vous allez, dommage, vous êtes arrivé pile au moment où on est en mode attente que la game se lance. Mais voilà, ça va arriver vite quand même, ça trigger. Salut à vous, bonsoir, bonsoir. Wesh wesh camembert, et c'est pas mal comme pseudo, hein. J'aime beaucoup. Et Exilem85 qui nous vient tout droit du 85 bien sûr. On est mid lane. On est mid lane. First pick, bon dommage qu'on soit first pick mais c'est pas grave. On va voir qui on va jouer. Peut-être qu'il n'y en a rien, aurait été plus sympa dans notre game. C'est parti, ça va les gars? J'espère que vous passez un bon week-end. Alors, on va ban Zed parce que c'est un peu chiant. Tac. On sait jouer contre Zoé avec notre petit Vegar. Bon ils ont ban Zoé, c'est pas grave. Qu'on n'a pas peur, on n'a pas besoin de ban la Zoé. Après Zed c'est chiant, ça décale et tout. Tranquillou et toi? Ben ça va, on vient de perdre la game là. La game du BO, on était à une victoire, zéro défaite. Si on avait gagné, on serait plat 4 déjà.
Et on était très très bien dans la game, et au final on la perd. Un peu dommage, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, un ban de moins. Du coup là c'est la dernière, on est à 1-1, donc si on gagne celle-là, on va jouer notre vie là pour essayer de la gagner, et si on gagne celle-là, on repasse plat 4. Bon par contre on a pas... on sait pas ce qu'il y a en face. Good luck, merci, merci, merci. Can I pick for someone? Bon je pense qu'on va repartir avec le petit Xeras hein. On a peur de personne avec Xeras. On a peur de personne, c'est parti. Ouais, good luck. Good luck. Ouais, c'est dommage. La game d'avant, on était tellement devant. Mais bon, ça arrive, ça arrive. Quand on perd une game, on peut toujours gagner la suivante. Donc c'est pas grave. Oh, fils. Oh, ça c'est relou par contre. Ça c'est relou. Bah, on va jouer défensif. Le petit fils. Ça va être une mid lane un peu tendue, je pense. Alors Tristana c'est cool, Yorick, Skarner c'est pas mal contre Fizz. Et enfin peut-être une Karma support qui est pas mal. Oula, leur compo là, Nami Heimerdinger. Ce serait pas un Heimerdinger top lane contre notre ami Yorick, on va voir. On va voir, ça risque d'être intéressant. Les gens prennent des trucs un peu chelous hein, pendant la pré-saison là. Important, alors est-ce que je change de ward? Allez, on va prendre ça. On va prendre ça, bon. Allez, on va tout donner. On va tout donner. On n'a pas le match-up, hein, clairement. Donc on va essayer juste de pas mourir, de farmer, d'attendre le gank. Et après, de toute façon, on fera le taf sur les teamfights. Ça parle, hein, dans le chat, là. Ils disent des trucs, ils sont contents. Tant mieux. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je sais pas si on va prendre une banche assez vite. Peut-être. Pas choper le poisson, parce que clairement je peux rien faire si j'ai le poisson sur moi avec Xeras. C'est une bonne range en plus hein, cet ultimate. Ah, il a un TP. Saviez-vous, Shen fut précédé comme œil du crépuscule par son père Kusho. Intéressant. On le savait pas. Bon, intéressant, je suis pas sûr en fait, mais on ne le savait pas. Pro Octopher qui est là aussi. Pro Octopher, salut à toi. Je sais que tu es là derrière ton écran. Je le sais. Je le sais, je le sais, je le sais. Bon, c'est parti, hein. YouTube. On est sur une game Platinum, Platinum 5, le BO pour arriver Platinum 4. On est à une victoire, une défaite. Si on gagne cette game, on repasse plat 4. Sinon, eh ben, on est déçu. On retombe à une 70aine de points et on devra remonter. Même si on pourra remonter sans aucun doute. Parce que si on était déjà plat 4, avant on a un MMR assez élevé par rapport à là où on est, je crois. Donc du coup, on gagne pas mal de points. Allez, le fils mid là qui a un nom à la... Hop, attendez, je change la scène. Bonjour, salut Proc... Alors c'est quoi? Pro-Octopher? Proctopher, on va dire Proctopher. Ou Pro-Getopher. Non, je pense que c'est Proctopher. Salut à toi. Salut à toi. C'est parti, c'est parti. Je sais qu'il y a du monde maintenant sur ce chat. Donc pour ceux qui sont là, qui me découvrent... Juste petite game de LOL, tranquillou, sans pression, clairement. Plus tard, on fera des autres games multi. On fera un peu plus multi-gaming quand j'aurai un nouveau PC. Pas tout de suite, du coup. Parce que je peux pas stream grand chose à part du LOL. Et après, des petits jeux indé qui bouffent pas trop de. Pas trop les. Mon PC, quoi. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Allez, on se concentre. On va essayer de la steal contre ce Fizz. Mettre la pression niveau 1. Si on peut. Et ça va le faire. On a Skarner contre Fizz, donc c'est pas mal. Il pourra l'ulti. Quoi? Non, ils ont pas la vision, je pense pas. J'ai pas entendu ward. On est parti. Hein. On va jouer notre vie. On va jouer notre vie. Et si vous voulez, du coup, je stream un peu tous les soirs. Si vous voulez revenir. Puis après vous pouvez follow bien sûr pour avoir la petite notif. Mais souvent le soir après 19h. Ah, ils ont pris le point, ok. Souvent le soir après 19h. Ou le week-end. Après le week-end c'est un peu plus random. Allez, c'est parti. On se concentre, on se concentre. On y va.
Alors on a le mana, on a les runes avec où on récupère du mana. De la mana. Oh putain, il a pris les popos. Putain, du coup, même si on le poke. Ok, j'ai pas voulu l'auto-attaque tout de suite pour pas prendre tous les toute l'aggro des sbires. Dommage. On a raté le creep, hein, on est déçu. Il a commencé au E, intéressant. On va toucher là. Oh! Et wesh wesh Camembert qui follow? Vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd? Il follow la chaîne. Merci à toi. Merci à toi. Hop, on essaie de l'agresser un peu. Q-spell auto-attaque. Avec la petite comète. Alors on va prendre le stun quand même, hein, pour être plus safe. Il va venir essayer d'Alastide sur mêlée, on va l'auto, voilà. Pareil, un Q-spell auto-attaque. Merde, oh, là ça s'était gratté ça. On va le bait un peu. C'est quoi leur jungler Jax? Faire gaffe, hein, Jax niveau 3, ça met des gants que... Ok, on a placé le E. On va prendre la pote. Ah dommage, j'ai essayé de faire un truc un peu chelou mais... Et Proctofer, bien sûr, qui follow aussi. Ils sont chauds les gens. Ils sont chauds. Alors SS, bon, il va sûrement pas décaler. Ok, on lui met pas mal de dégâts, donc ça c'est plutôt cool. Il a un TP, donc il y a moyen qu'il est back et qu'il revienne vite avec le TP. Ce qui serait dommage pour nous, mais bon, c'est pas grave. Ouais, feuille auto-attaque, j'aurais perdu le creep. Ah bah, je l'ai perdu. Ah, celui-là je l'ai pas. 16 à 13, intéressant. Toujours SS, donc il a vraiment back. Par contre, il est pas revenu sur sa ligne avec le TP, je pense. Ok. Donc, on a raté un creep là. Dommage. On continue. Ok, il est revenu. Qu'est-ce qu'il a du coup? Ah, il a pris le bracelet là. On va toucher là-dessus, sur le creep là. Voilà. Il a pris la petite comète. Le petit Q-spell. Ah, dommage. Oula, le scarner. Ok, je peux pas trop aller aider là de toute façon. Oh dommage. Ah, on a tout raté. On a tout raté. On peut pas aller aider vraiment. Oula. Wardé ici, il a wardé, il a attendu voir si on décalé ou pas. On est loin, on est loin. Ah merde, par contre là les creeps. Là ça serait que je me fasse go maintenant. Ah merde. Bon pas en fait. On va flash. Oula. On est pas bien. On survit. On survit. Ah, il m'a flashé les skimmers. Oui. Bon. C'était tendu. Au final, trade kill. C'était chaud, hein. C'était chaud. C'était tendu, mais c'est passé. C'est passé. Ah non, la botlane. Ah, botlane qui est morte et qui. Qui est vraiment pas bien. Parce que du coup, ils ont encore pas mal de PV. Dommage. Dommage, dommage. On a craqué flash barrière aussi, nous. Bon. On a tenté le bait. Hein. Bon, il est revenu sur la lane avec le TP. Ça, c'est chiant. Du coup, il va nous reprendre de l'XP. On a plus le flash. Là, ça va être chaud, par contre. Mais c'est bizarre qu'il me go avec tous ses creeps. Et en fait, il y avait effectivement le Jax. Et Exilem85 qui follow aussi. Oh là là, les nouveaux viewers qui follow tous à la chaîne. Merci, les mecs. Ah, dommage, j'ai raté là. Alors, on continue. Là, il a 30 creeps maintenant, par contre, du coup, parce que forcément. Ah, il y a une petite ward là. Oh putain, il y a des wards partout. Ok, il a utilisé son E pour dodge mon Q-spell. Bon, on a raté un creep encore. Il va venir l'astide ça. Merde, bon, ça nous a fait perdre le canon. Peut-être pas si rentable que ça. Il va mettre une auto. Ok, il a utilisé son Q-spell. J'essaie vraiment de le toucher quand il auto-attaque, mais il joue pas trop mal. Hein. En plus, je perds pas mal de creep moi. A contrario. Oh merde, on est pas bien là. Ok, on va jouer avec les creeps, mais
Là là, un contre un, c'est compliqué. Ah, c'est chaud. Est-ce que je prendrais pas un peu des mers? Rapidos là. Ah, dans des boots. Ah là là là. Ah, on n'a pas le match-up du tout. Hein. Je devrais pas être aussi agressif. Je ne devrais pas être aussi agressif. En plus, il a un TP. Cool, il est vraiment bien dans sa game. Ça va être chiant. Ok, donc il n'y a que moi qui a pris un kill là sur le début. C'est chaud. Ah, pas mal ça. Il y a moins que ça kill. Un ami qui a pas d'escape. Ah, mais non, pourquoi il back? Oh, il a back, je sais pas pourquoi. Bizarre. Pas grave. Hop. On continue. On continue le travail. Ok, il a. Putain, il est déjà 6. Oh, remarque, moi aussi. On va pas push. Oh putain, je fais nimp sur les creeps. Bon, faut que je joue très défensif maintenant. Doublé. Ah, c'est dommage, c'est que c'est Karma qui a pris le doublé. Bon, c'est pas grave. Faut faire gaffe, hein, parce que là, si je reprends un fish, je meurs. D'ailleurs, il le sait, hein. Clairement. Oula. Il le sait, on fait attention. On fait attention. Oh, il y a Jax qui est là. Ouais, attention au fils. Hein. Le fils qui était pas loin, clairement. Ah putain, il joue bien, il esquive bien. Fasse gaffe, je vais me prendre un shark encore là. Merde. On aura sur les deux. Pas faire mieux que de jouer très défensif comme ça. SS, je sais pas où est-ce qu'il est par contre. On va push. On profite. Ok, moi qui stop bot. Oh dommage. Ah putain, il a tout touché mais. Oula, ah bah on est pas bien. Ah bah on est mort. Bah un Kraken est mort. Ah le fish qui a suivi. Ah ça devait être war putain. La game qui est compliquée. La game qui est compliquée là. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Ah fish c'est chiant. C'est vrai qu'on Xeras là. En plus il avait le heal. Ok. Rah, Fizz va être un monstre. Hein. Fizz va être un monstre. De ouf. C'est loin d'avoir les creeps. Merde, j'aurais dû attendre. Alors. Ok. Elle a 20 creeps d'avance. Oula oula. On a très peur hein. On a très peur du fils. Ah putain on a pas pris le. Ah, j'ai peur. Peur de ouf. Vous avoue dans cette situation là vous pouvez pas faire grand chose hein. À part attendre votre jungler. Il est pas venu une seule fois mid. Putain, du coup j'ai pas de farm. Signaler les SS. Et bah profiter du fait qu'il soit pas là pour pusher. Ah putain, en plus je rate des creeps. Là clairement il peut être n'importe où. J'ai le flash. Et oui, il nous attendait. Il nous attendait, il a bien raison. Il va passer là, c'est obligé. Non. Ou pas. Bah, du coup il perd pas mal de creeps, c'est pas mal. Mais du coup c'est que c'est ward. On continue à push. Je sais pas ce qu'il. Où est-ce qu'il est du coup. Je peux pas aller fetch check la jungle. C'est impossible. C'est pas bot. Si il est bot. Il y a un galo life là.
back. Oula. Attends, attends, attends. C'est risqué ça. Oula. Il s'est enfermé. On peut rien faire. Ah oh, putain. Ah. Dégage. Bon, l'a tué. L'a tué avec l'ult, mais... Où du retour fucking bad scarner. Ah. Perdu la tourelle, là. Bon, compliqué, compliqué. Allez, on continue. On continue, on continue. Game qui se passe pas bien again là. Ah, ok. On va prendre ça, on va se tailler. Par exemple, on fait Drake. L'angler qui fait le taf par rapport au nôtre. Je back. Back, je back, je back. Ah, top lane, est-ce que ça va kill? Ah, ça devrait. Un stopwatch. On est reparti. L'ennemi a été tué. Je vais aller bot lane là, parce qu'il y a Fizz qui va push. Ah, il a 5 kills. Hein. Il est bien. Il est bien. Il a son dash déjà là. On a plus le flash. Il se fait flash in quand même hein, par le... Par le fils, par le Jack tout à l'heure là. Dommage. Est-ce qu'il m'attendrait pas à la fizz? Ça serait pas un bon call de m'attendre là. Faut que je fasse attention. Ok, on est parti. On irait aider la mid lane. Parce que bot tout seul on peut rien faire. Ok, faire attention à ça. On a pas touché. Ah, c'est pas mal. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le. C'est Jin. T'as dommage. Oh le fizz. Le fizz qui est sur la top lane là. Là il va pas revenir, je pense pas. On continue du coup. Nice ça. Yorick qui est du coup apparemment pas trop mal dans sa game. Qui a kill tranquillou, qui a 2-1. Bon, il y a Fizz qui arrive. Fizz top. Back, 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 back. Ouh là 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 là. Je sais pas s'il l'a vu ou pas mais... Oh là là, bah, ça. Oh il l'a enfermé. Oh, c'est pas mal. Oh c'est pas mal. Oh là 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 là, well play tout ça. C'est pas mal ça. On continue. On continue, on va défendre cette mid lane. Ah putain, s'il avait pu le. On a touché. On va remettre un petit coup. On peut pas. On a raté tous nos skillshots. Oula, bottom. Oula, oula. J'y vais, j'y vais. On va récupérer la farm. Est-ce qu'on passe là? Ouais, large. Une tourelle, un mort. Oula. Il est pas bien top lane là. Oula, oula, le scarner.
Ah, il prend tous les CC. Il les a ramenés sur ce match. Une lutte là. Oh, putain, sérieusement. Ah, il a utilisé son heal quoi. Ah, dommage. Comment il avait fait pour avoir la move speed là? Ah, il est plus en mid. Ah oh, merde, putain, j'ai raté tous les creeps. Crétin. Votre tourelle a été détruite. J'arrive. Oh putain, après tous les creeps quoi. Après tous les casters. Intéressant. Ah oh, la wall qui est tellement loin. Tellement pas de vision en plus. Très dangereux ce que je fais. Il y a fils qui arrive. Allez, on se taille vers le haut parce qu'on sait qu'il y a fils vers le bas. Voilà. Map contrôle, map contrôle. Coucou. Ça arrive sûrement. J'ai pris tout écrit. Pas mal. Putain, 5 kills le fils, ça va être horrible. Ils ont fait l'héros là. L'héros de la faille. Je vais lui mettre un petit coup de spell un peu lui là. Ouais. Oh putain. C'est violent. On va prendre un fish. Ouais, je vais prendre un fish hein. On n'a pas pris le fish. On va pas tuer. Dégâts. Les dégâts. C'est pas mana. Ah, pas de mana quoi. Je back. Ah, il va back. Juste attends. Ah, on va la perdre. On va la perdre cette game. C'est chaud. Ah putain. C'est pas lourd encore. On a du wave clear. Et ça va être compliqué. Hein. 7 kills à Jean. Parce qu'il y a Tristana qui a 2-5. Ça va être très compliqué. On a pas de farm en plus avec tout ça là. On va pas se rendre quand même. Pas fini, c'est pas tout à fait fini, on va dire. Oh le café, lui. Oh, putain. Non, le poisson. Non, le poisson. Le poisson. C'était bizarre ça. Ah. Un ennemi légendaire. Ah bon, on peut pas revenir dans cette game. Dommage. On a perdu le BO. On a perdu le BO. Ah là, on n'a pas eu le match-up et notre team a pas géré les lanes quoi. Ah. Une petite interrupt gratos. Mais bon, je pense qu'on peut s'en rendre. Hein. Ah, 21-10 avec un inhib de moins à 20 minutes de game. Ça va pas bien se passer hein. Plus de farm par contre. Un allié a été tué.
Nadia a été tuée. A touché. Je vais aller les bot lane. Oula. Ok, c'est pas mal ça. D'ailleurs, on va faire la tour. La tour, elle a été détruite. Ah putain, c'est chaud. Dommage. On l'a eu. À quel prix, je ne sais pas. Ah bah gratos. Nice. Bon, on fait des trucs, hein. On fait des trucs. Le Leandry, le Leandry. Ok. Prends le mana. Bon. Ah ouais, je vois pas comment on va revenir, hein, mais bon. On va se battre, on va se battre. Ah là là, ça fait chier la BO là, la BO. Bam. Ça back. On peut chercher back. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok. Ça clash dans le chat. Mal barré du coup. Récupère le farm. On va récupérer ça. Ils ont fait le Drake. Ah non, ils ont fait le Nash, putain. Ils ont fait le Nashor déjà. Ah, alors, du coup, c'est un baron Nashor qui est là. Coup plus long à tuer les creeps. Ça se traite, ça a rien. Dudes, vous m'aidez là? Oh, je laisse. Je vais me faire défoncer là. Jack ce qu'il veut ma peau. Les gars. Ok, la petite fish. Oh, le crit. Ah, j'ai pris le critique. J'ai pas le temps d'utiliser ma barrière. Ah, dommage. Oula, mais pas bien toi. Ma fuite. Ah ouais, non mais là. Ah, toutes les lignes ont perdu. Mérite là, on mérite hein, là, y'a pas de soucis. GG. On pouvait pas. On pouvait pas. On pouvait pas faire mieux. Enfin si, on aurait pu faire mieux. Waouh, non, non. À partir de la fin, on pouvait pas faire mieux beaucoup. Beaucoup mieux, pardon. C'est les remises à jour, on n'avait pas remporté. Ah oh, putain, on redescend combien de points? Rage pas combien de points on redescend. On a un peu de dégâts, on a eu un petit honneur. Combien de points est-on redescendu? Ah oh, ça fait chier. On va essayer de remonter hein, tout de suite hein, dans le BO. On est redescendu à... On a perdu le BO. Ouf, ouf, ouf. On est redescendu à 82 points.
Nice. Si on fait une win, on est quand même bon. On est quand même bon. Bon, merci YouTube d'avoir regardé cette petite game. Bon, c'était un peu compliqué celle-là. On a perdu le BO. Oh, on est reparti. C'est horrible. Allez, ciao ciao YouTube, à la prochaine.